présente. Ah ouais, ça c'est bien lourd, ça, c'est bien. Ah, c'est lourd la culture, n'est-ce pas, Joël? Ah bah pas du tout, esprit de la boîte, là je prépare ma vengeance contre le producteur, ouais. Ta vengeance? Mais qu'est-ce qu'il t'a encore fait, ce brave homme? Bah c'est lui aussi, là, tous les soirs dans le dortoir, il fait des batailles de polochons. Alors ce soir, hein, c'est très simple, je me planque, hein, je l'attends, et dès qu'il arrive, SPAM! Encore faut-il savoir le soulever, cet oreiller. Je suis peut-être allé un peu fort, là. Allez, générique! J'ai envie de sauter aujourd'hui. C'est comme ça, on va sauter. On va tous sauter d'ailleurs. On va sauter dans le public. On va sauter à la maison. Parce que c'est une jeu boîte et c'est un jeu qui rebondit. Qui rebondit énormément. Ah, j'adore. Non, mais c'est la bataille de coussins qui m'a fait un peu mal à la tête. Hein, en tout cas, Johan, c'est un peu molasson des biscottos. Alors ça, c'est la dernière fois, esprit de la boîte, hein, parce que je fais de la muscu tous les jours, avec des cotons-tiges. Allez, avec qui joue-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous jouons avec la famille Monel en vert. Ludivine, la blagueuse, est venue avec ses enfants. Kevin, 9 ans, judoka. Et Julie, 12 ans, gymnaste. C'est tout, merci, on va tout vous défiler, Maurice de France. Ah bah j'ai dit, aujourd'hui on saute. En face, la famille Ferger en violet. David, le pilote, accompagne ses enfants. Valentine, 8 ans, artiste de cirque. Et Titouan, 10 ans, tennisman. Et on est sans l'air pour défier la boîte. Très beau cri de ralliement, hein. Bon alors, franchement, on a dû vous le dire 2 500 000 fois. Vous ressemblez à Spock. Eh, hey, faites-nous Spock méchant. Eh bien, c'est avec Spock méchant que nous lançons la première manche. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Et alors, ce que l'esprit de la boîte ne vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un match Boulogne-sur-Mer, à savoir les ch'tis, face à la Ferté-Milo. À la Ferté-Milo dans l'Aisne, que je sais même pas où c'est ça. C'est en Picardie. Ah, vous êtes Picard? Oui, on est cousins. Je croyais que c'était dans le sud, moi. Bah non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à Boulogne-sur-Mer? Il y a la mer. Déjà, il y a le porc. Il y a le poisson. Ça a l'air génial. Oui. Ça a l'air génial. Et quand on va à Moule, des fois, quand on va à Moule, et que chez marée basse, on voit la côte d'Angleterre. Ah, parce que vous allez à Moule? Ah bah oui, on cueille des moules, nous. Ah, quand vous dites, on va à Moule. À Moule, on va les cueillir. Ah, parce que moi, j'avais compris que vous alliez dans la ville de Moule. Ah ben non. Très beau petit village de Moule. Ah bon. Ben non. Et vous, qu'est-ce que vous faites à Ferté-Milo? Vendez-nous la ville. Ah ben là-bas, c'est la ville de Jean Racine. Il y a un vieux château, une ruine, des vieilles églises. Ah, il y a une ruine? Oui, une ruine, oui. Ça a l'air génial. Bon, très bien. On n'en dira pas plus sur la Ferté-Milo. Hein? Moi, j'irais à Boulogne-sur-Mer si j'avais à choisir. Parce qu'il y a des moules. Bon, très bien. Vous allez vous affronter au mime aujourd'hui. Ça va? Vous êtes entraîné à la maison? Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Les parents, venez vous mettre en place. Votre objectif, vous l'avez compris, faire deviner un maximum de mots en les mimant, tout simplement. Mettez-vous en place. Ah ouais, vous êtes grand quand même. Un peu. Ah bah ouais, non. Ah ouais, quand même. Eh, vous avez un fan club, vous? Oui, mais oui, c'est eux. Ah, c'est vous qui avez fait ce t-shirt? Oui, alors... Mais c'est à qui, ces pieds, là? À nous, à moi. Ah, c'est tes pieds, ça? Oui. Je confirme. Bon, alors regardez, les mots vont s'afficher dans cet écran. D'accord? Donc soyez vigilants, c'est chacun son tour et vous aurez 1 minute 30 au maximum. Prêt? Alors attention, 3, 2, 1... Top chrono, et on commence avec les verts, les monnelles. Tout est lié aux vacances aujourd'hui. Le sable. Bonne réponse pour les monnelles, bien joué. On change. Une bouée. Une bouée pour aller dans l'eau. Oui, bonne réponse. Soleil. Bonne réponse. On aime bien le soleil pendant les vacances, c'est vrai. De l'eau, un seau. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors un verre. Non. Un verre d'eau. Il boit quoi? De l'eau. C'était des glaçons.
Alors les monnelles. Nager, plonger. Nager. Dans quoi? Dans la mer. La mer. Bonne réponse. Vous plongez très bien. Bronzé. Oui, mais alors après, quand on a bronzé, on a. Non, c'est les. Mal rouge. Ça aïe, ça. Coup de soleil. Bonne réponse sur le gong. J'ai été sympa. Bronzé. Oui, mais bronzé sur quoi? Sur le sable. Il y en a qui sont sur les serviettes et d'autres qui sont sur les. Brossiers. Et les chaises longues. Alors, les Fergés, qu'est-ce que c'est ça? C'est. Une maison. Alors, une maison. Un toit. Mais une maison en vacances, c'est quoi? C'est. Un mobilo. Quand on va faire. Non, c'était la tente, pas le mobilo. Alors, les monnelles. Un maillot de bain. Ouais, hey, il a l'air sympa votre maillot de bain. Hein. Allez, hey, les Fergés. Crème bronzante, crème solaire, je valide, oui, et alors? Ouais, là j'ai été sympa. Non, j'ai été sympa sur crème solaire et crème bronzante. Alors regardez-vous en pleine action, c'est quand même magnifique. Hein. Surtout vous Spock, c'est waouh, il se passe un truc. Et alors le maillot de bain, moi j'ai adoré le petit maillot de bain. On a tout de suite senti que vous, le maillot de bain, c'était plutôt bikini sur la plage. Voilà, on a tout compris. Où est-ce que je mets ma serviette? Bon, esprit de la boîte. Les Fergés se croient en vacances. 400 à 300 pour les verts. En tous les cas, je pense que tous les téléspectateurs sont d'accord et toutes les personnes dans le public, vous avez été géniaux. Vous pouvez regagner vos zones de jeu. À présent, sortez les stylos, sortez les calculettes. C'est parti pour le quiz des familles. Ouh, ça va être dur, ça va chauffer. Là. Eh ouais, les trois questions avec les trois propositions de réponse, puis la question à la... 200 points par bonne réponse. Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes de bons élèves, Kevin et Julie? Ouais. Et vous, Titouan et Valentine? Ouais, c'est quoi ta moyenne à peu près? 18. Ah, mais tu penses, c'est à... Hey. Et toi, Valentine? 20. Ah, c'est bien. Il n'y a que des bons élèves, que des bons élèves sur ce plateau. Un collège du Sud-Ouest a décidé de remplacer les notes sur 20 par quoi? Par des couleurs, des smileys ou des notes de musique? Alors, les monnelles? Des smileys. Je valide. Bah écoute, Kevin, moi je trouve que c'est une super idée. C'est une super idée que tous les professeurs de France devraient utiliser, mettre des petits smileys. Puis il y a le smiley pas content, puis il y a le smiley amoureux. Et bah c'était pas ça. C'était plus classique, c'était des couleurs, voilà, qui indiquent le niveau dans une matière, rouge, orange, jaune et vert, selon qu'on a très peu, un peu ou tout à fait compris. Non mais c'est vrai, hein. David, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hôtesse de l'air. Vous êtes hôtesse de l'air? Oui, enfin... Vous êtes steward. C'est ça. Et est-ce que vous lisez souvent les revues médicales au cas où il y a des petits soucis, des trucs? Ça arrive, ça oui, arrive. De temps en temps. Ouais. Vous savez faire genre les massages cardiaques? On est formé pour ça, oui. Vous en ferez un à l'esprit de la boîte tout à l'heure? Bien sûr, à tout le monde. Faites-moi du bouche à bouche. Non, mais... Non, bah, ils se lavent pas les dents, faut pas le faire. Selon une revue médicale, il est fortement déconseillé aux passagers d'un avion d'enlever leurs chaussures, de se retenir de péter ou de descendre avant l'arrêt. Les Fergés? Mais de se retenir de flatuler. De péter donc. De péter donc, c'est ça, de flatuler. Joanne prend souvent l'avion. Ça suffit, esprit de la boîte. Et pourquoi? Parce que dans l'avion, on est en altitude. Du coup, à l'intérieur de notre corps, tout a envie de se détendre. Et du coup, les gaz aussi, ils ont envie de sortir. Et si on se retient, ben, on les garde et ça peut être assez douloureux au niveau des intestins. Je suppose que ça vient de ça. Donc il faut se lâcher, quoi. Il faut se lâcher, oui, dans l'avion. Il faut se faire plaisir dans l'avion. C'est comme ça. S'il y a bien un endroit sur Terre où on peut péter, c'est dans l'avion. C'est comme ça. Non, mais c'est dingue, hein. Oui. Parce que c'est une bonne réponse, figurez-vous. Oui, et c'est ce que vous avez dit, l'altitude augmente la production de gaz et pour éviter le stress et les douleurs abdominales, eh ben, vaut mieux se lâcher totalement. Pensez quand même aux voisins. Et aux stewards et aux tests. Les Fergés, 500 points, vous repassez devant.
Oh, 400, 500, 400 et 500. C'est bien, les gars. Pour bien lancer un boomerang, il faut se placer dos au vent, face au vent ou derrière un kangourou. Les monelles. Face au vent. Vous validez? Hein? Vous validez face au vent? Oui, je valide. On valide. Kevin, il a pas l'air sûr. Hein. Non, il a pas l'air sûr. Oulala, là, Kevin. Mais t'aurais dit quoi, toi, Kevin? Bah, normalement, c'est dos au vent, puisque quand on le lance, voilà, pour que ça revienne, c'est c'est face au vent, parce que pour que ça revienne comme ça, truc, ça revient. Tchut. Le lendemain matin. Et bah oui, c'est face au vent, donc t'aurais dit comme Julie. Voilà. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Ouais. Parce que le boomerang revient avec la force du vent, donc vaut mieux se mettre en face du vent, comme ça vous êtes sûr qu'il revient. 600 points pour vous maintenant, bien joué. Ouais. Allez, à présent, nous allons jouer à la question à la... louche. Pas besoin de buzzer, une question ouverte, vous aurez 10 secondes pour réfléchir, puis me donner votre proposition. C'est la famille qui aura donné la réponse la plus proche de la réponse exacte qui marquera 200 points. Si vous faites un tout pile, vous marquerez... 500 points. Combien le chat possède-t-il de griffes au total? Au total. C'est la question à la louche. Vous avez 10 secondes pour vous concerter. Au total. Et me donner votre réponse. Les fergers. Alors d'après vous, combien le chat possède-t-il de griffes au total pour cette question à la louche? La famille qui aura donné la réponse la plus proche marquera 200 points. Alors 20 griffes pour les fergers. Les monelles? 16 griffes. Bon, alors il n'y a pas de toupile. La bonne réponse est 18 griffes. Et ouais, vous l'avez compris, vous avez dit 16, vous avez dit 20. C'est donc égalité, puisqu'il y a une différence de 2 griffes pour les deux familles. Donc 200 points partout. Les deux familles sont au poil. 800 à 700 pour les modèles. Alors, en fait, il y a une griffe à chaque doigt. Une griffe à chaque doigt. Et il y en a 5 sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière. D'accord. Ah, j'ai oublié. Et t'as oublié les pattes arrière, toi. Mais moi, j'ai cru que le chat avait 4 doigts. Alors moi, je comptais 4 pattes partout. Alors, Kevin, à ton avis, les souris, elles ont combien de griffes? Le temps qu'ils réfléchissent, je lance le challenge des enfants. Et il va y avoir des souris. Alors. Hervé le mal... on arrête de manger les souris. Non, Hervé, on ne mange plus. Il a mangé toutes les souris. Ouais, mais hé, j'en ai sauvé 4. Voilà, on va donc pouvoir jouer au souris miam aujourd'hui sur le plateau d'In The Boîte avec nos guides de souris qui vont se mettre en place. Venez, récupérez vos télécommandes. Bam, bang, bang. Prenez vos télécommandes. Vous avez vu dans cette cuisine, il y a des morceaux de gruyère, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir pousser les morceaux de gruyère dans la souricière en guidant bien vos... souris. Alors, pour info, la souris a 18 griffes. 18 griffes? Ouais, bah c'est comme ça, c'était pour l'info du jour. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Allez, prends le gruyère. Allez, 1 minute 30 pour mettre un maximum de morceaux de gruyère dans les souricières. Allez, et pour l'instant, ça rame, ça rame. Ah mais parce que t'es bloqué. Allez, à droite. Vas-y, tout à droite. Ah mais oui, mais faut bien que tu la pousses. Allez, Valentine. Alors pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi sur le sol de cette cuisine. Sous les yeux de Hervé Le Matou. Vas-y. Allez, faut y aller. Alors, les télécommandes sont faites avec deux joysticks. Un joystick qui pousse, qui recule, un joystick qui va de droite à gauche. L'idée, c'est de bien manipuler la télécommande. Allez, là, le... La souris violette est bien partie, moi, je trouve. Elle est très bien. La verte, elle est moins bien partie. Ça avance, ça recule, mais il n'y a aucun bout de gruyère dans les souricières. C'est une catastrophe. Attention. Ah oui. C'est bon, bien joué du côté des violets.
premier morceau de gruyère. Alors la tienne, elle est quelque part. Il faut reculer. Avec les fesses, ça marche. Avec les fesses, ça marche bien. Oui, très bien les fesses, mais dans le bon sens, il faut aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh mais non, mais là, y a, hey. Et top chrono. Elle est vert là, il s'est passé quoi les verts? La mienne, vous pouvez pas tourner non plus, elle m'a fait motion. Y'a protestation? Oui. Y'a protestation? Je pouvais pas tourner, Johan. Y'a protestation, c'est ça? Eh ben y'a protestation. Alors, allons voir du côté de la souricière violette. Nous avons, regardez bien, venez à la maison. Nous avons un morceau de gruyère et deux morceaux de gruyère, bravo. Du côté des contestateurs qui disent oui, alors moi je comprends pas parce que la tête ne marche pas, tout ça. Et ben regardez le résultat, voilà, ça marche pas, et non, ça ne marche pas, et non, et ouais, et non. Et ça fait 0 point supplémentaire pour les verts, et voilà, c'est comme ça, bah oui, c'est comme ça. Voilà, les monnaies peuvent être rongées par le remords avec seulement 800 points contre 900 points pour les Ferger. Bon, vous contestez toujours? Mais non, oui. Vous contestez toujours. Oui. Bon, alors, ce que je vous propose pour vous détendre un petit peu, parce que je vous sens tendu, on va marquer une petite pause, d'accord? Non, parce que là, vous êtes tendu, hein, là, vous pouvez le dire, hein, vous êtes tendu. Vous êtes tendu? Oui. Vous boudez? Oui. Bon, on se retrouve juste après. Mais vous boudez. Bon, alors. Oui. Avec cette petite musique de la Coupe du Monde, on se croirait au Brésil sur le plateau d'In the Boîte aujourd'hui. C'est le feu, c'est l'ambiance. Et pour l'instant, les Picards, les Fergers sont devant avec 900 points. Ils viennent de Boulogne-sur-Mer, ils adorent les moules, les monelles, 800 points. Kevin, Julie, vous n'êtes plus en contestation? Non. Je vais vous poser une question chacun à votre tour. Vous n'aurez que 3 secondes pour y répondre, 200 points par bonne réponse. Et c'est Valentine qui va commencer. Valentine, avec ses deux super tresses, tu es prête? Oui. Sur... Alors top, le dragon à tête de chat des films Dragons et Dragons 2 s'appelle Croque-mou ou Croque-dur? Croque-mou. Bonne réponse. Julie, les bracelets en plastique coloré à la mode en 2014, c'est les Looms ou les Bands? Les Looms. Oui, les Bands étaient à la mode en 2010. Titouan, les huîtres produisent des perles grâce à un grain de sel ou de sable? De sable. Oui, c'est une bonne réponse, bien joué. Kevin. Oui. Dans la série de romans 4 filles et un jean, le jean est en solde ou magique? Magique. Bonne réponse. Valentine, le jour elle transforme le gaz carbonique en sucre pour se nourrir, les plantes ou les fourmis? Les plantes. Les plantes, grâce au soleil, c'est la photosynthèse. Bonne réponse. Julie, dans Le Petit Poucet, on suit les aventures d'un orphelin. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Eh ouais, il a des parents. Titouan, en anglais, Schtroumpfette se dit Smurfette ou Chipette? Chipette. Et non, c'est Smurfette. Kevin, la vaisselle cassée, recyclable ou pas recyclable? Recyclable. Et non, pas recyclable. Valentine, 50 oiseaux et 50 oiseaux font 100 oiseaux ou 100 oiseaux? 100 oiseaux. Oui, car 100 reste au singulier. Bien joué, Valentine. Julie, quel petit robot photographie le sol de la planète Mars depuis 2012? Curiosity ou Wall-E? Wall-E. Et non, c'est Curiosity. Julie, très très concentrée. Titouan, Jennifer a chanté le titre Poupée de cire, poupée de chiffon ou de son? De son. De son, bonne réponse. Et David connaît très bien les paroles, il chantera tout à l'heure. Kevin, le nouveau roi d'Espagne, Felipe VI, a succédé au roi Felipe V ou Juan Carlos? Juan Carlos? Non, Felipe V. Et non, c'était Juan Carlos, bien joué, c'est son père. Ah oui. Valentine, dans les films avec la fée Clochette, certaines fées ont des moustaches, vrai ou faux? Faux. C'est vrai, ce sont des fées garçons. Julie, la planète du système solaire qu'on dessine entourée de ses anneaux, c'est Vénus ou Saturne? Saturne. Bonne réponse. Titouan, au cinéma, la statuette qui représente un personnage doré, c'est le César ou l'Oscar? César. C'est l'Oscar, ils sont décernés à Hollywood. Kevin, chez les ados, un élève cool qui attire la sympathie est qualifié de populaire ou de best? De populaire. Mais ouais, trop populaire le gars.
Match serré, hein. Et il s'en est passé des choses, hein. Les Fergers, vous avez donné 5 bonnes réponses. Vous avez donc à présent 1900 points. Les Monels, il vous fallait une bonne réponse de plus pour passer devant et aller en finale. Kevin, Julie, vous avez été bons. Vous avez également donné 5 bonnes réponses. 1800 points pour vous. Avec 100 points supplémentaires, ce sont donc les Fergers qui ont affronté la boîte noire. Et ils ont eu peur. Et jusqu'au bout, hein. Vous avez eu peur là. Vous avez stressé un petit peu. Hein. Les Monels, mais vous avez été géants. Vous avez passé un bon moment ? Oui. Vous reviendrez ? Oui. Et est-ce que vous voulez des cadeaux ? Oui. Cadeau ou pas cadeau ? Cadeau. Cadeau. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Marne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeu In the Boîte, offert par nos partenaires. Titouan et Valentine, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que vous allez montrer à tous les Picards qui nous regardent que vous êtes les meilleurs ? Oui. Et que votre région est la meilleure ? Oui. Oui. Très bien. Titouan, alors fonce derrière le pupitre. Quant à toi, Valentine, attends, faut que je te fasse belle pour rentrer dans la boîte noire. Alors, si, attends, faut juste que je te. Attends, faut que je te fasse un nœud avec ces tresses là. Bon, on fera ça la prochaine fois, d'accord ? Mais le nœud avec les tresses, c'est très classe. Est-ce que t'es prête ? 3 minutes pour aller nous chercher le trophée. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Elle a pas voulu que je fasse un nœud avec ses tresses, quoi. Titouan, tu es le guide. Il faut donc lui parler en permanence. Tout droit. Car je rappelle à tout le monde. Là, voilà, à droite. Qu'on ne voit rien dans cette boîte noire. Avance. Ouais. Va à. Ah bah les élastiques. Tout droit. Tout droit. Vas-y, à fond. Vas-y. Allez, vas-y, Valentine. Allez. Tout droit. Allez. Vas-y, tout droit. Allez. À gauche. C'est bien. Tout droit. Et allez, on y va. Tout droit. Allez. Et regardez, ça sert parce qu'elle avance très très bien en fait. Ah bah là on la voit voilà, plus. À gauche. Allez, Valentine. Voilà. Gauche, gauche. Allez, Valentine. Voilà, tout droit. Non, c'est tout l'autre droit. Côté, la gauche. L'autre gauche. Ah oui, l'autre tout gauche. Hein. Allez, l'autre gauche, c'est pas facile. Avance tout droit. Vas-y, Valentine. C'est bon. Bah, je pense qu'on peut applaudir. Ouais. On peut applaudir Valentine tout qui droit, s'en sort très bien dans ses élastiques. Tout droit. Parce que c'est vas-y, pas Valentine, évident. Vas-y, continue tout droit. Là, tout droit. Tout droit. Alors, où est le passage ? En fait, il faut qu'elle trouve un passage à droite, à gauche. D'après Titouan, c'est tout droit. Et oui, tout c'est droit, tout droit. Tout droit. À gauche. Bien joué, allez. Attention. Allez, tout droit, tout droit. Ah, belle souris, tout hein. Droit. Et quoi ? Tout droit. Eh oui, il y a 18, il y a 18 griffes. Mais vas-y, il faut qu'elle se dépêche un peu. Allez, Valentine, faut y aller, là. T'inquiète pas. L'autre côté. À tout droit. Alors, Valentine... Et il y a plein de vitres. Il y a des vitres partout, Titouan, tu trouves quelque chose. Alors, il y a peut-être un tunnel, Titouan. Ah, hein. Ah ouais. Voilà. Voilà, un petit passage ici. Ouais, c'est... Alors, voilà, David, soyons bon. Très clairs, maintenant, c'est un peu long. Maintenant, tourne à droite. Ouais, droite. Faut, faut non, tout droit, plus, tout droit. J'en appelle à Spock, hein, le Spock qui est en vous, là. Oui, je sais. Alors, Valentine, faut y aller. Allez, tout on y droit, va. Tout droit, vas-y. Allez. Maintenant, tout allez, droit, vas-y, tout cours, droit. Cours. Tout droit, tout droit. Il reste qu'une minute. Vas-y, tout droit. Tout droit. Voilà, tout alors droit, le buzzer qui peut droite, vous faire gagner 10 secondes droite. Supplémentaires s'il faut. Allez, vas-y, le buzzer. Si vous appuyez dessus, mais il faut le. Le buzzer est devant non, toi. Vas-y. Et non, c'est voilà. Il y a un piège. Vas-y, maintenant. Il y a un tunnel peut-être. Ouais. Non, c'est bien, c'est continue, bien David. Tout c'est droit, bien David. Tout droit. Allez, vas-y. Tout droit, vas-y, tout droit. T'es sorti de la boîte. Allez, Valentine. Tout droit. Il reste 40 vas-y, secondes. Monte. C'est peut-être derrière, c'est derrière. Derrière toi. Non. Là, le passage est là. Derrière toi, en dessous. C'est bien. C'est bien, vas-y, continue. À droite. Il vous faut les 10 mais secondes. Non, tout droit. Là. À droite, vas-y, à droite. Il vous faut le buzzer. Là, le buzzer, il est là. Vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Oui, c'est bon. Tac, ok. Vas-y. 10 secondes supplémentaires. Allez, maintenant, vas-y, on y va, c'est possible. Allez, Valentine, allez, vas-y. C'est bon. Allez, Val. Allez, concentre-toi. Oui, c'est un premier trou. Allez, Val. À gauche, voilà. Vas-y, essaye. Descends. Allez, Val. À gauche. Là, vas-y. Allez, va, vas-y. Allez, Valentine, allez. Allez, on y croit. Il reste 10 secondes. Valentine. Dépêche-toi, Valentine. Vas-y, dans le trou. Ouh là là, il est là. Faut sortir. Faut sortir. Stop, chrono, les gars, c'est trop tard.
Oh, je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est Non, franchement, dur scénario. Elle l'avait. Allez, avec 4-5 secondes de plus, ça y est, c'était, ouais. C'était gagné, quoi. Ouais. Bon, ouais. Les garçons, restez fiers avec le sourire parce que le cadeau est pas mal. Pour se retrouver en famille, un week-end dans l'une des destinations de notre partenaire. Avec, la voilà, Valentine qui vient nous rejoindre toujours avec le sourire. Elle a toujours le sourire, Valentine. Hein. Bon, et ça s'est joué à 3 ou 4 secondes. Et alors, du coup, avec David, pendant qu'on regardait le cadeau que vous avez gagné, on s'est dit, bah, pour la consoler, ce serait bien qu'il chante poupée de cire, poupée de son. Oh. Ah oui, ça fait du bien. Et continuez à chanter. Hein. Allez, on y va. J'en profite pour vous dire que si vous voulez jouer, c'est www.gulli.fr. Et si vous voulez venir sur le plateau pour motiver les familles, c'est pareil. www.gulli.fr. Bon, on va laisser David chanter. Allez-y, lâchez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite sur In The... Ouais. Ciao. La prochaine fois, je vais bien rigoler si vous êtes là. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.